Hello, bonjour les graines de joie, bienvenue dans notre méditation matinale en ce 2 avril. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise. Installez-vous, le dos bien droit. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Je vous invite à fermer les yeux. À vous connecter à votre respiration. Faire quelques grandes inspires et grandes expires. Et puis à prendre conscience vos appuis sur le sol, au niveau de vos fessiers, au niveau de vos jambes, de vos pieds. La position de vos mains. Je vous invite aujourd'hui à ouvrir vos mains, à poser la paume de vos mains sur vos genoux, vos cuisses, et à ouvrir vos paumes vers le haut. En signe d'accueil de ce qui est là. Respirez tranquillement. En vous posant en observateur, observatrice de ce qui se passe dans votre corps, votre mental. Juste observez. Et je détends mon corps. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends conscience et je reviens me connecter à ma respiration qui est mon ancre dans l'instant présent.
Qu'est-ce qui se passe pour moi ce matin? Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je veux bien observer, sans jugement, avec bienveillance? S'il y a un endroit dans mon corps qui est un petit peu inconfortable, je pose mon attention dessus. Et je vais respirer à cet endroit-là, en envoyant de la lumière à chaque expiration. Si je n'ai pas de douleur ou de tension particulière, voilà, j'observe, je me promène dans mon corps, j'observe les petites sensations. Peut-être que je rentre maintenant dans un petit peu dans la subtilité du ressenti. Si je pars dans mes pensées, j'en prends conscience sans jugement et je ramène mon attention sur la respiration et sur l'observation de ce qui se passe dans mon corps. Tout est ok, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien, aucun endroit où aller, juste être là, en présence, dans l'écoute de ce qui est, accueillir ce qui se présente, accueillir le vide s'il n'y a rien non plus. Pas d'attente. Pas d'attachement. Juste respirer et me sentir pleinement en présence.
je détends complètement mon corps à chaque expiration. J'observe. J'observe ce qui est. Ouvrir mes sens également, être attentif, attentive à cette perception, à la fois dans ce que j'entends autour de moi, à l'intérieur de moi. Ce que je ressens au niveau de ma peau. Que je sens au niveau de l'odorat. Et au niveau du goût. En laissant tout ouvert. Et en observant ce qui est là. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends conscience. Et je reviens vers ma respiration, vers mon corps. Tout simplement. Pas de jugement. Je me sens pleinement présent, présente. Dans mon corps physique.
Et puis je vais pouvoir prendre ma petite météo intérieure maintenant. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe pour moi là? Je me sens moins reposée. Il y avait un peu d'agitation tout à l'heure. Et je vous invite à partager sous le post votre petite météo intérieure. À continuer cette méditation comme d'habitude si vous en avez envie et à ouvrir tranquillement les yeux pour ceux qui démarrent leur journée. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous dis à tout à l'heure, à 13h pour notre vidéo du défi. Et puis ce soir, vous pouvez aussi me retrouver en direct avec Gwen de la TV du Grand Changement. Avec un partage qui sera à 20h en direct sur YouTube. Voilà, pour les petites news d'aujourd'hui. Je vous remercie pour ce moment partagé. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie de faire passer ces petites méditations pour inviter de plus en plus de monde à méditer. À méditer au quotidien, voilà, et à ressentir tout simplement ce que ça fait à vivre cette expérience. Voilà, là ça fait 10 jours, voilà, qu'on médite tous les jours un petit peu. Donc pour moi c'est vraiment dans la régularité qu'on sent ce qui se passe. Voilà, donc n'hésitez pas à faire passer ces petites méditations. Et puis, je vous remercie profondément pour vos dons également. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.